¡Achita! ¡Hola! Salut Chantal. Salut Samantha. Oula, dis donc, tu vas pas attraper froid, toi, comme ça, là? Non, mais toi, par contre, je pense que tu vas un petit peu transpirer, non? Mais tu plaisantes ou quoi? Faut mieux se couvrir. De quoi tu me parles? Ah, t'es pas au courant? Ils ont annoncé qu'il faisait moins 30 dans tout le magasin. Et tu me connais? Je suis super frileuse. Oh, Samantha! C'est trop petit. T'es sûr? Bah oui. Ça se porte près du corps, ça, pourtant. Remets-le. Oh, t'es sûr? Fais-moi confiance. Si. Fais voir. Oh. Bah écoute, moi, je trouve pas ça si mal que ça. Hein. Je le prends. Tu trouves quelque chose? Ben non. Chantal, regarde-moi ça. Alors ça, c'est tout à fait ton style, hein. C'est vrai? Ah bah oui. Bon, ça se lave à combien? À 30. À 30? Oui. Ah non, mais c'est toujours le même problème, hein, Chantal. Faut absolument que tu trouves quelque chose que je puisse laver toute seule, hein. Allez. Oh, Samantha! Chantal? Chantal? Tu peux rester près de la cabine, s'il te plaît? Parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre et qui me voit comme ça. Pardon, excuse-moi. Samantha! Salut, Samantha! Ouh, salut, Chantal! Alors, ce nouveau boulot de vendeuse? Génial! Je suis comme une poissonne dans l'eau. Ah non, mais attends, j'ai que des avantages dans cette boutique! Quoi, raconte? Alors, j'ai des tickets restaurants, j'ai moins 20% sur tous les vêtements. Super! Et attends, c'est pas fini, tiens-toi bien! Non, mais vraiment, tiens-toi bien parce que y a des gens qui nous regardent. Ah. Voilà, c'est mieux. Et j'ai. Ça! Un téléphone portable! C'est un téléphone portable! Mais je sais ce que tu vas me dire, c'est encombrant et l'écran est petit. Mais attends, je vais t'appeler. Faut mettre une carte. Ça y est, je vais composer ton numéro de téléphone, pas besoin du 0. 70, 73. Et comme on dit chez nous, gratuit, c'est pas cher. Ça sonne. Allô? Je peux pas avoir de réseau ici, c'est pour ça que ça marche pas. Ah, dis-moi, tu sais où on met la pièce pour les photos? Excusez-moi, je cherche des Marcel. Des Marcel? Bien sûr, j'en ai plusieurs à vous proposer. Alors là, nous avons le Marcel de luxe, hein, qui est idéal pour tout ce qui est festival, cocktail ou autre soirée VIP. Merci beaucoup. Sinon, nous avons un autre modèle. J'ai envie de l'appeler un modèle un peu plus rustique, hein. Un peu plus massif, qui nous vient du terroir, si je puis m'exprimer ainsi soit-il. C'est un prix de base, bien évidemment, beaucoup moins BCBG. Ça plaît. Merci. Et enfin, notre dernier modèle de Marcel, the top of the top, le best-seller de nos ventes. Le Marcel en fil d'Écosse. Pardonnez, je suis Peter, pas Marcel. Merci. Voilà, vous avez fait votre choix. Monsieur. Peter. Rustique. Deluxe. Peter, Peter. Oui. Yeah. Vous êtes... Je vous cherchais, il n'y a plus personne.
Ratchet. Eh, mademoiselle, vous voulez un coup de main ou quoi? J'ai toutes les tailles dans l'arrière-boutique, hein, vous battez pas. Il est mignon, lui, on se dispute pas. Mais non, on s'entraîne pour les soldes. 3, 4, elle a gagné, c'est tout. Samantha. Essaye celle-ci. Mais il n'y a pas de nez qui tienne. Je veux absolument que tu l'essayes. Je compte jusqu'à 3. Si à 3 tu l'as pas mis, j'ouvre le rideau et tout le monde te voit toute nue. 1. Parce que je sais ce que tu vas me dire, c'est trop posé. 2. Parce qu'il faut savoir transférer les interdits. Il faut que tu libères la femme qui est en toi, Chantal. Et. 3. Bon, je l'ai mis maintenant, alors vous me laissez. Bon, ben alors, tu la ramènes cette robe? Alors, tu l'as essayé, le string? Ouais, mais j'ai l'impression d'être toute nue avec ça. Mais ça, c'est normal. Oui, mais en même temps, c'est pas super confortable du tout. Ah bon? Ah oui, non, mais là, c'est parce que là, tu l'as mis devant, derrière, là. Samantha! Ouf, quelle journée! Vous pouvez lever le pied un peu? Ah non, c'est pas possible, surtout pas en ce moment. Non mais là je suis débordée, il y a tout qui me tombe sur la tête. J'ai un anniversaire à préparer, j'ai un déménagement, la manicure, la piscine, sans oublier les courses, le ménage et l'entretien du bocal de flipper, mon poisson rouge. J'aimerais bien, mais là c'est pas possible. Non mais quand je dis lever le pied, c'est parce que vous êtes en train d'écraser ma main. Oups, excusez-moi. Non, l'autre. Ah, oups. Merci. Pardon. Je pense que je vais la prendre, elle vient. Oups. Bon, t'as fini ou quoi? Attends deux secondes. Et là, t'as fini? Voilà, j'arrive. Ça m'a tapé, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Donc, je me fais une meilleure idée si le rideau est tiré. Ah, ça me va pas, c'est ça? Mais pas du tout. Ah, ça me va pas du tout. Mais non, je ne voulais pas du tout te dire que ça ne va pas du tout. Ben, il faut toi, tu viens de le dire. Non, je ne sais pas, moi, demande à quelqu'un d'autre. Au miroir, par exemple. Dans la boutique. Et alors? Et alors? Et alors? Ben alors? Ben si tu sors, ils voudront tous avoir ta robe. Ah, ben j'aime mieux ça. Bon, ben tu me dis quand je peux sortir. C'est ça. Samantha? Oui. Bon, ben je peux sortir maintenant. Ah non. Par contre, je t'ai rapporté quelque chose. T'en auras besoin. Alors, au niveau de la taille et de la couleur, ça te convient? Bah oui! Bah, je pense que ça devrait faire l'affaire, tu sais. Bon, tu sais quoi? Je le prends. T'as raison. Oups! Tenez, Samantha, c'est votre enveloppe. Merci, monsieur le directeur. And the winner is... Samantha! C'est moi? Je ne m'y attendais pas du tout. Excusez-moi, c'est l'émotion qui m'émue comme si... J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont cru en moi. Pour cela, j'ai préparé quelque chose. Je tenais à dédier cette victoire à toutes les autres caissières qui ont été nominées avec moi, qui ont autant de talent que moi. Cette victoire, c'est votre victoire aussi. Dites-moi, Samantha. Merci. Vous pensez pas faire ce numéro à chaque fois que vous recevez votre paye? Allez. Merci beaucoup. We'll be right back.
Chic. On va aller vers ce manège. Ah non, moi je suis fatiguée, j'en peux plus, Samantha. Bon, ok, c'est pas grave. Mais alors tu me regardes, d'accord? Ouais. Bon. Donne-moi ta gaufre, je te la tiens. Moi, tu rigoles ou quoi? Tu me prends pour une idiote, hein? Non, non, je voulais terminer sur le manège. Ça t'a plu? Ah, c'était géant. Tant mieux. Ah, ben elle était là, ma chantilly. On y va. Le pompon, ça se met pas sur la tête. Bon, allez, faut y aller. C'est pour son bien, hein. Voilà. Je te redonne ta liberté. Il est temps que tu voles de tes propres ailes. Allez, rejoins ta famille. Tu me manqueras, tu sais, à chaque fois que je prendrai mon vin. Mais au moins, je sais que tu es heureux là où tu es. Adieu, Michel. Il est beau, ce chevaux. J'en ai jamais vu de ce genre. Quoi, les chevaux de bois? Oh, tu sais, moi, les races... J'adore ça, tu sais ce que c'est? C'est un pinchimbole. Tu sais, c'est un petit sac pour frapper dessus, c'est pour mesurer la puissance de la force de tes muscles. Oui, non, mais j'en ai déjà fait du pinchimbole à mon cours de boxe et bon, j'en garde pas un bon souvenir. Mais t'as qu'à essayer, toi, si tu veux. Oh, trop bien. Vas-y. Samantha, il y a un article qui devrait t'intéresser, c'est sur Jean-Luc Delarue. Oui, sa nouvelle fiancée, il y aurait un mariage de prévu cet été. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est le pinchimbole. C'est le petit sac qu'on frappe dessus, c'est pour mesurer la puissance de ta force. T'as 2 euros ou pas? Ah non? Oh ben, ils sont venus faire un autre sketch. Récapitulons. Lundi, lorsque je suis rentré dans ce manège-là, je me rappelle très bien de passer par là. Voilà, c'est ça. Mardi, j'ai tenté de sortir de ce côté-là. Ça n'a pas marché. Donc, mercredi, j'avoue que j'ai tourné un petit peu en rond, mais ça, c'est tout à fait moi. Donc là, on est jeudi. Sachant que la fête foraine se termine dans un mois, ben, j'ai plus qu'à attendre dans un mois. Ils seront bien obligés de démonter ce manège, quand même. Samantha, on se rejoint à la maison. Samantha, hey.
chic. Non, pas ici. Non, là, ça y est, vous chauffez, ça y est, c'est moi. Dépannage auto à votre service. Mais vous voilà. Bon, ben je vous explique. J'ai roulé au moins, 3 minutes. Et après, le moteur, il s'est arrêté net. Bon, alors moi, ce que je pense, c'est que c'est le radiateur qui est bloqué ou alors un joint de cuirasse qui a dû sauter. Oui. Oh, le fesse-manège. Oh oui. Oh, on a pas assez pour deux. Attends, j'ai un plan. Okay. On a suffisamment pour une entrée. Donc pendant que je paye ma place, toi tu vas passer à la caisse en t'accroupissant. Ah oui, okay, génial. Bonjour, une place s'il vous plaît. Excusez-moi, madame la caissière, ça vous dérange pas de garder mon parapluie? Merci. Excusez-moi, je suis ventriloque. C'est bon. Bah alors, Chantal, mais qu'est-ce que t'attends pour lui donner mon parapluie? Tu sais très bien qu'il pleut jamais dans les trains fantômes, enfin. Oups, pardon, excusez-moi. Chantal, tu crois qu'elle m'a repéré ou quoi? Ah, on avait assez pour deux personnes, c'est ça? Oh, attends, j'ai un plan. Oh, bah ça tombe bien, moi aussi. Paris-Banlieue. Alors... Allez, on approche, messieurs dames. Un tir réussi, c'est un petit cadeau. Et 5 tirs réussis, c'est un gros cadeau. Ok, j'ai compris. Et là, ça fait quoi? Belle. Là, ça fait mal. Non, mais elle est vraiment bien, cette attraction, tu sais. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça secoue moins. Ouais. Et puis en plus, on s'entend parler. C'est ça. Par contre, elle est un peu loin à finir. Mais en même temps, on s'ennuie pas une seconde. C'est sûr. C'est sûr. Chica, chica. On m'avait dit que c'était terrifiant, mais là, c'est pipi culotte garantie. Non, mais on n'est pas obligé de le faire non plus, Samantha. C'est vrai. Oui, mais en même temps, on n'a pas fait 2 stations de métro entières pour se démêler à la dernière seconde. T'as qu'à y aller, toi, moi je garde les sacs si tu veux. Allons, hein, Chantal. C'est ensemble. Jamais. C'était sympa. Tu crois que ça va durer longtemps? Oh, attends, on dirait que ça ralentit. Ah ben non, ça repart. Heureusement que j'ai laissé un petit mot sur le bocal de flipper pour qu'on s'en occupe si je ne reviens plus. Oui, désolé, mais parce que moi je suis vraiment pas sûre de pouvoir m'en occuper là. Ça t'a secoué, toi? Pardon? Ça t'a secoué, toi? Ça fume. On a dû casser quelque chose. Quelqu'un veut quelque chose? On va au snack en haut. Tu emmènes une paille, toi, je t'ai oublié. J'ai tombé, c'est les cuisines derrière. Ils font cramer des burgers. Chica!
J'adore travailler ici, tu sais. L'ambiance, les clients, les shampoings. Par contre, le décor est un petit peu kitsch. Mais t'as vu, ils sont en train de faire des travaux ici. Ah. Bon, je te remets un peu de gel, ça va te faire un effet de structuré. Ah, je veux bien. D'accord. Quelqu'un a vu mon pot d'enduit, là? Il me le faut vite parce que c'est une prise ultra rapide, hein. À me brosser les dents ce soir? Bien sûr. Merci. Voilà, on finit par la nuque. Voilà. Non, elle est très bien comme ça, la nuque. Voilà, je vous en prie. Oups. Madame Cholin, c'est pas possible pour le moment. Oui, les bigoudis, je sais pas où ils sont, non. C'est Chantal. Oh, dis-moi, merci de me prendre pendant l'heure du déjeuner. Tout avec plaisir, ma chérie. Bon, écoute, je dois vraiment être super cet après-midi. J'ai un rendez-vous pour un travail d'hôtesse. Hein. D'accord, très bien. Mais écoute, je te fais rapidement un rafraîchissement. D'accord. D'accord. Je peux manger pendant que tu me coiffes? Oui, vas-y, je t'en prie. Oh, c'est froid, ça. Ah, oh, ben donnez-moi, je le réchauffer. Oh, c'est gentil, de rien. Quoi? Des bigoudis? Mais je t'ai dit, je ne sais pas où ils sont. C'est des bigoudis, Véronique. Tiens, s'il te plaît, c'est chaud. Merci. Super. Oh là là là. Alors là, tu me sauves la vie, Samantha. Hein? Oh. Si avec ça, je décroche pas ce travail, je comprends plus rien, moi. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Chica, 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 chica. La bimbo, Samantha. Bon, alors, comme je te disais tout à l'heure, on est super équipé dans ce salon. Tu vas pouvoir choisir la coupe de tes cheveux, mais sur ordinateur. Oh, génial. Assieds-toi sur la photo. Alors maintenant, tu vas choisir la coupe de tes cheveux. T'es prête? Attention. Ça te plaît? Ah là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'informatique, on peut plus s'en passer. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça va, c'est pas trop chaud? Non, non, ça va. Trop bien. Alors, on essuie tout ça. Voilà. Allez, on y va? On les coiffe comment aujourd'hui? Dégradé. Dégradé? C'est bien. Allez! Aujourd'hui, je fais des shampoings à Chantal ou à moi-même. Quand je fais du brushing, j'utilise toujours des bigoudis. Salut Samantha. Salut Chantal. Bon, je te préviens, j'ai 10 minutes à peine. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On parle shopping? Oh non, on a fait ça il y a 2 jours. Ah oui, c'est vrai. On a qu'à dire du mal des stars. Génial. Je commence. Vas-y. Tu sais que Tom Cruise, il est tout petit. Ah, mais j'étais sûr qu'il était pas plus grand que sa taille. Hein. Bon, allez. À demain. Bisous. Je suis ta mère, Chantal. J'ai chaud à la tête. Je t'écoute. Oui, j'aimerais bien que tu me fasses une couleur. Une couleur? Ok.
Achik! Bisous, bisous. Salut DS. Salut Sergio. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, je vous explique, ce soir, je vais à une fête et je tiens absolument à être magnifique. Ok. C'est magnifique, Sergio. Je vais être la reine de la fête. Et puis, vous savez quoi en plus? C'est un bal costumé. Merci beaucoup, Sergio. Encore bisous. Excusez-moi. Oui. Et voilà. Et voilà. Je vais vous montrer derrière. Derrière, très bien. Merci. Qu'est-ce que tu as fait? Oups. Voilà, ça c'est fait. C'est super. Merci beaucoup Sergio. À la semaine prochaine. Oh, c'est pas pour vous flatter hein, mais je trouve que vous avez bonne mine en ce moment. En fait, vous êtes au courant pour le petit-fils de Madame Chollin? Samantha, qu'est-ce que je vous ai dit en premier? Les compliments, ça, ok. Mais après, c'est pas les ragots, ah c'est... Oh, attendez, je le savais. C'est les vacances. Les vacances. Allez, on continue. Je suis désolée, je recommence. Sinon, cet été, vous partez toujours à Saint-Malo? Vous avez raison, la Côte d'Azur. Oh, j'adore. Sinon, vous êtes au courant pour le petit-fils de Madame Chollin? Voilà, ça c'est mieux. Allez, on poursuit. Ben, elle a divorcé. Oui. Bonjour Madame Pinet, ça fait plaisir de vous... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ben il était temps que vous reveniez nous voir, vous. Cette couleur, cette coupe, c'est d'un vilain tout ça. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous. Voilà votre manteau, Madame Pinet. On vous a été plus belle que la mariée comme ça. À bientôt. Oui. Enfin, un petit bonbon, Madame Pinet. Non. Alors, avant que je vous coupe les cheveux, est-ce que je peux vous proposer le petit plus de la maison? Ah, c'est quoi? C'est de la voyance. La voyance? Oui, je lis dans les cheveux. Alors, je vous propose deux types de voyance. La petite, c'est tout ce qui est pour tracasserie de la quotidienneté. Ou alors la grande voyance pour tout ce qui est professionnel et sentimentalité. Allons-y pour la grande. La grande. Très bonne idée. Alors. Voilà. Alors, je vois que vous êtes rousse. Je vois qu'il vous faut du shampoing pour cheveux gras. Et je vois de la colère. Oh, beaucoup de colère. Et je vois également que j'ai un autre rendez-vous. Voilà, ça c'est à vous. Merci. Alors, je vous propose deux types de voyance. La petite pour ce qui est de la quotidienne. Ou alors la grande voyance pour ce qui est... Bah, je vais prendre l'autre. Je vous mets un petit peu de lac. Mais juste un peu. Hein. Très bien. Regarder. Ah non, faites pas confiance. Merci beaucoup. Alors, on fait quoi? Oh, juste un brushing. Volontairement, un brushing. Un brushing? Pour faire un bon brushing, il vous faut des brosses adéquates. Adéquates? Oula, il faut absolument que je me mette à l'allemand, moi. Ça, c'est la brosse du sol. Ça, c'est pour les animaux. Ça, c'est... Bah, c'est pour le dos. Et ça, c'est la brosse à brushing. Alors, on y va. Et voilà.
C'est moderne, ça change. C'est sûr. Béton, qu'est-ce qu'on regarde? Titanic! On en a déjà vu hier. Je sais, mais hier j'ai vu que les images. Tu veux dire que t'as pas lu les sous-titres? Voilà. Donc t'as rien compris? C'est ça. L'eau est froide, mais j'essaie de faire ma jeu. Pourquoi? D'origine contrôlée, compatible, norme française, oui madame. Mais ce n'est pas tout, toujours pour 100 euros. Aujourd'hui, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. 10 timbres de collection qui vont prendre 2 naturellement leur place à côté de ce rocking chair électrique. Vous avez des parents madame? Et quoi de plus naturel? Toujours pour 100 euros, une magnifique reproduction de buste de Napoléon ayant appartenu au Magadja de Gopal, signé Ferdinand Duval. C'est pas un peu fort? Un petit peu là, oui. C'est ce que je me disais. Oui. Donc, le candidat éliminé ce soir, c'est... Philippe! Donc, le candidat éliminé ce soir, c'est... Philippe! C'est là qu'on va enfin apprendre le terrible secret de Steven! Et ça fait 5 ans que j'attends ça! Raphaëlla! Il est temps que je te dise enfin mon terrible secret. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Mon terrible secret, c'est... qu'après les années, je n'ai plus revu de mon but. Voilà. Maintenant que tu sais tout, il ne me reste plus qu'à te dire adieu. Adieu. Donc, le candidat éliminé ce soir, c'est... Philippe! Oui! Samantha! Votre choix, Chantal. Je crois que j'ai appelé mon amie Samantha. Oh, c'est moi! Allô? Samantha? Oui! C'est Jean-Pierre Amoulo à l'appareil! Oui, bonjour Jean-Pierre! Je suis avec Chantal qui a une question à vous poser. Chantal qui? Mais Chantal, ta copine! Ah non, mais c'est pas possible, elle passe à la télé! Mais c'est moi! Ah, mais d'accord, excuse-moi, j'avais pas compris! Bon, Samantha, écoute-moi, tu dois finir la phrase du principe d'Archimède! Alors écoute bien, tout corps plongé dans un liquide, il y a une suite à cette phrase, il y a une suite, Samantha, il faut que tu la trouves, attends, pas être bien, toi! Dépêche-toi, Samantha, on n'a pas beaucoup de temps! Allez, allez, allez! Archimède! Archimède! C'est bon, j'ai la réponse! Alors, tout corps plongé dans un liquide, se mouille! Alors, elle t'a plu la cassette que je t'ai prêtée? Il est magnifique le film. Un peu court peut-être. Bon, une heure et demie. Ah mais non, ils se disent I love you et après c'est fini. T'as pas rembobiné? Ah mais non. Pourquoi? Prête pour la soirée télé? Oui. J'ai tout prévu. Les couverts. Les sandwichs. Et les boissons. La fusion. J'ai fait une petite folie, j'ai pris tilleul poireau. Oh. Les coussins pour caler sur le dos. Oui. Les petits chaussons. Mais bien sûr. Allez, c'est prêt, on peut commencer. Samantha? Oui. T'as pas oublié un petit détail? Ah bon? La télé. Ah, j'ai le réparateur. Mais c'est pas grave, il y a un résumé là-dedans. Thank you.
Chic. Il était temps qu'on arrive parce que moi, j'en peux plus, hein. Mais c'est tout ce que tu as? Et ta tante? Mais quoi, ma tante? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma tante? Me dis pas que t'as oublié ta tante. Ah mais non, ben elle est là. Bon, moi je suis crevé, je vais me coucher, d'accord? Allez, je ferme. Bonne nuit. Bonne nuit. Chica, chica. Chantal, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Bonsoir! Samantha, c'est quoi tous ces gens devant notre tente? Mais comme on vient d'arriver, j'ai organisé une crémaillère! Bonsoir! Merci pour le cadeau, c'est gentil! Bonsoir! Salut! Je vous en prie! Oh, bonsoir, c'est pas. Bonsoir! Je ne sais pas comment ça fait! Bonsoir, t'es ta fête! Bonsoir! Oui, ça fait plaisir! Je vous en prie, rentrez! C'est tout! Oh. Allez, que la fête commence! Oh. Allez, vous vous amusez! Pour les toilettes! C'est au fond du couloir à gauche! Malpoli. Si. Tu sais, Chantal, le gros moustachu qui attend juste à côté de nous, il m'a traqué, mais comme un fou à la laverie. Oh, qu'est-ce qu'il était lourd! Et en plus, il a une de ses haleines festives. Samantha, il est tard maintenant. Tu viens de coucher? Vous êtes toujours là? C'est gentil, mais je peux pas rester. Chantal, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. T'étais chez le voisin? Mais comment tu le sais? Oh, comme ça. Oh, t'es trop fort. Samantha! Qu'est-ce que j'aime bien me promener dans la nature. C'est mignon, un papillon. Oh, regarde là-bas, il y a un écureuil. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, un écureuil. Qu'est-ce que c'est mignon, un écureuil. Oh, regarde là-bas, il y a un rossignol. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, un rossignol. Bah alors, t'aimes pas les rossignols ou quoi? Moyen, ça dépend. Oh, bah dis donc, finalement, le rossignol était pas si petit que ça. C'est dingue, hein, comme on le voyait tout petit en bas. C'est vous comme c'est trompeur. Il est où le rosé? Ah, je l'ai mis à fraîchir dans l'eau. J'ai appris ça dans un manuel de scout. Oui, pourquoi la bouteille elle est là? Ah, parce que je l'ai mis dans une carafe. C'est pour qu'il s'aère. Une petite lichette? Non, merci. Bon, très bien. Il est un peu vert, mais il est très bon quand même. Bah finalement, elle est spacieuse, cette tente. Oui, quand je pense que le vendeur nous a dit qu'on allait tirer à deux. Regarde, il y a de la place au milieu pour un troisième. Bah, un quatrième, regarde la place devant. Oui. Oh là là. Bon, ben moi, je m'allonge. Moi aussi. On est crevés. Oh, j'adore dormir à la pleine étoile.
Chic. Vous pesez 58 kilos. Vous pesez 48 kilos. Oups. Allô? Oui, Chantal. Mais je t'ai pas oublié, bien sûr. Écoute, je mets ma petite crème, je m'habille et j'arrive. Oui, à tout de suite, bisous, bye. C'est pas vrai, mon Dieu! Chantal? Oui, c'est Samantha. Écoute, je vais avoir un peu de retard. Comment? Oh non, oui, 12 heures. C'est pas ça, c'est qu'il faut que j'aille me coucher. Oui. J'ai mis ma crème de nuit. Oui. Bien, il faut que je te montre quelque chose. Ici, j'ai mis tout ce qui est soin pour cheveux, hein? Shampoing, après shampoing, avant shampoing, gel et lac. Ensuite, j'ai mis tout ce qui est crème. Crème de jour, crème de nuit, crème anti-cellulite, crème anti-capitaux, crème fraîche, crème brûlée, crème glacée et crème chantilly. Pourquoi celle-ci? Celles-ci, ce sont les crèmes grossissantes. C'est celles qui marchent le mieux. Je peux? Oui, bien sûr. Yes. Ah non, pas celle-ci. La crème amincissante, c'est mieux pour toi. Surprise! Dis, ça tombe bien que tu m'appelles parce qu'il faut absolument que je te raconte ce qui m'est arrivé. Alors. Oups. Oups! C'est bizarre! Monique a déjà une demi-heure de retard. Je te rappelle qu'elle vient nous faire le maillot, comme ça, demain, à la piscine. À nous les bikinis sexy! Génial. Mais c'est vrai que c'est pas son habitude, ça, Monique, d'être en retard, hein. Tu l'as prévenue, au moins. Mais enfin, Chantal, tu me prends pour qui? Tu sais très bien que je note tout ça sur mon pense-bête. Ton pense-bête? Il est où, ton pense-bête? Bah, sur mon front. Regarde. C'est là que je note les trucs les plus importants. Comme ça, tu peux être sûr qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, eh bien là, par exemple, je peux te dire que... Rouge, blanc, rouge. Si tu veux du café, c'est la bouteille rouge. Mm-hmm. Si tu ne veux pas de café, c'est la bouteille bleue. Mais il y a quoi là-dedans alors?
Bah, rien. Tu veux un verre de rien? T'en as assez? Oui, c'est bon! Après, shampoing! Mais t'es sûre que c'est vraiment ici, les douches? Ben, oui, bien sûr, enfant! T'es sûr que tu veux le mettre là, Chantal? Donc là, tu l'as mis et tu changeras pas de place, c'est ça? T'es sûr? Non, parce que j'ai pas envie que tu regrettes de l'avoir mis là, c'est tout. Fou, roi, dame, échec et mat! Oh, fais pas ta mauvaise joueuse! Tu mangeras une autre fois, pour la revanche. Enfin, si tu gagnes! Oups! Moi, je suis d'une fatigue. Oh, moi aussi. Attends, Chantal. Je vais te donner un petit conseil de vieille routière de camping. Avant de te coucher pour pas te faire dévorer par les moustiques, toujours mettre une bonne dose de bonbon insecticide. Oh, c'est malin, ça, j'aurais jamais pensé. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Oui, faut pas hésiter, hein. Faut mettre le paquet. Enfin, t'es sûr que t'en mets pas trop, là, quand même? Bon, fais-moi confiance encore un petit peu. Samantha? Oui. Je crois qu'on s'est trompé de tente. On s'excuse. Oui, on s'excuse. Mais en même temps, on a quand même bien démoustiqué sa tante, non? Elle aurait pu dire juste un petit merci, c'est tout. En tout cas, je suis vachement contente de l'insecticide qu'on a acheté, hein. Je connaissais pas la marque, mais ça, c'est ce que j'appelle l'intuition féminine. Bon, allez, on va aller se coucher. Oups, pardon. Bonne nuit. Samantha, t'attrape! C'est bon, je l'ai! Reviens! Oups, excusez-moi, je vais récupérer mon frisbee. Ah, y'a pas de mal. Bon appétit! Merci beaucoup. C'est bon, je l'ai! T'attrape! Samantha, je l'ai! J'ai plus envie de jouer. Se régaler. T'as pas pris de couvert pour toi? Ah bah j'ai pas besoin. J'ai apporté mon couteau de Suisse. Regarde, c'est super pratique. Alors d'un côté, tu as la fourchette et de l'autre côté, eh ben t'as le couteau. Bon appétit, bien sûr. Toi aussi. Merci. Voilà, c'est rangé, propre, comme un dessous neuf. Tu viens, on va faire une photo souvenir. Oh ben oui, génial. Attends, j'ai oublié de me parfumer. Oh, dépêche. Voilà. On y va. T'es prête? Oui. Montre. Elle est où, la photo? Ah non, mais c'est pas numérique, c'est un jetable. Ah d'accord. Et elles seront prêtes quand, les photos, tu crois? Samantha, qu'est-ce que vous faites, là? Bah, le ménage, quand on l'a demandé tout à l'heure. Dites-moi, c'était pas du luxe? Regardez ce que j'ai trouvé. Des vieilles bouteilles pleines de poussière. On voit même plus l'étiquette. Alors ça, c'est...
Bordeaux Grand Cru 1956. Encore une de périmée. Allez, on jette. Allez, je m'occupais des bières parce qu'il y en a qui datent de 1600 et quelque chose. C'est n'importe quoi. Allez. Ah oui, mais non, non, non. Tu t'en sors avec toutes ces commandes? Tu fais comment? Oh, ça, c'est une simple question d'organisation, hein. En fait, tu veux boire quelque chose, Chantal? Je veux bien une menthe à l'eau. Une menthe à l'eau? Oui. Oula, une menthe à l'eau... J'ai rien avant 3 semaines. Et alors, je te mets en urgence. Demain, à 15h30, entre le whisky de la 12 et les fraises de la 17. Un café, s'il vous plaît. Un café? Oula! J'ai rien avant juillet, ou sinon, je vous propose demain matin, 7h50, un petit blanc. On fait comme ça, c'est quoi votre prénom? Gérard. Chantal, tu prends ou pas? Laisse-le. Bon, bah alors je vous propose la place de Chantal. Alors c'est demain à 15h30. Par contre, ça sert à une menthe à l'eau. Fais comme ça, Gérard. Tu veux qu'on se téléphone demain? Demain. On peut se téléphoner qu'à partir du mois d'août. C'est tout ce que j'aurai comme temps pour toi. Ouf, quelle journée! Vous avez très bien travaillé aujourd'hui, Samantha. Oh, merci beaucoup, monsieur. Je vous sers quelque chose? Oh bah oui, avec plaisir. Une menthe à l'eau. Une menthe à l'eau? Oui. Alors, Agnès, c'est combien, ça? Merci beaucoup. Non, c'est pour moi. Ah, excusez-moi, je pensais que c'était pour moi. Voilà. À demain, monsieur. À demain, Samantha. Il a pas du tout confiance en lui, il se pose plein de questions. Est-ce que je tourne à gauche? Est-ce que je tourne à droite? Est-ce qu'il faut que je m'arrête? Mais attends, je suis pas sa mère quand même. Est-ce que je peux stationner à gauche? Réponse A. Est-ce que je peux stationner à droite? Réponse B. On va passer à l'inscription. À l'inscription, très bien. Veuillez inscrire votre nom, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Non, faut pas mettre nom. Ah non. Votre nom. Ah oui, excusez-moi. Adresse. Date de naissance. Date de naissance. Appuyez bien, hein, pour que ça marque toutes les feuilles. Oui, bien sûr. Merci. Ça, c'est pour vous. C'est tout? Oui. Oh mon Dieu, c'était pas si difficile que ça, finalement. Et moi qui m'en faisais tout avec la foutie. Merci beaucoup. Chantal, j'ai mon permis. Chantal, j'ai mon permis. C'est moi qui prends le volant. Allez. Bon, alors avant de passer à la première leçon de code, on va faire un petit bilan de vos connaissances. Mes connaissances, très bien. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vous pose la question. Excusez-moi. ça, c'est un triangle. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu révisé avant. Très bien. On va passer à un autre. Celui-ci. Ça, c'est un rond. Et dire que j'ai failli dire un cercle. Je l'ai échappé. On va s'en tenter un dernier, bien sûr. Au cas où. Tenez, celui-ci, hein, simple. La Suisse. Et pourtant, il y a un petit piège. Il manque le petit bout. Bon. Vas-y. Bonjour. J'aimerais un rendez-vous pour ma première leçon de conduite, s'il vous plaît. Pour cette semaine?
Bah oui. Cette semaine, ça va être un peu difficile, hein. Ah si, en date du 10, j'ai un créneau. Ah non, non, non. On va pas commencer par un créneau, c'est le plus difficile. Je ne sais pas, vous n'auriez pas autre chose. Je sais pas, une ligne droite. Un embouteillage à la limite, c'est plus mon style. Bonjour. Ouais, bonjour. Allez, on se dépêche parce qu'on est déjà en retard. Oui, bien sûr. Oh, dites-moi, vous me laissez une petite seconde pour mes petits papiers, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors ça, c'est le volant, c'est le pare-brise. Ne pas confondre avec le rétro qui, lui, est beaucoup plus petit que le pare-brise. En général, et ce, dans la majoration des véhicules. L'accélérateur, le frein et l'embrayage. Ou alors le contraire. J'ai bon, là ? Mais pourquoi toutes ces étiquettes ? Enfin, je veux dire, moi, je suis là. Ah ben oui, je vous ai complètement oublié, excusez-moi. Je suis sotte. Et le moniteur. Le volant, je le garde ou je l'enlève? C'est en option. C'est en option. Ouais. Ça s'enlève pas. Bah gardez-le alors. Je vais le garder. J'appuie sur l'embrayage et là je passe la première. Ensuite, je lâche tout doucement mon pied de l'embrayage et j'appuie tout doucement sur l'accélérateur. Et là... J'ai pas calé. Vous avez vu, j'ai pas calé. C'est vrai, c'est mieux. Maintenant, on essaye en mettant le contact.